crois que certains me prennent pour un fou. Et d'autres imaginent aussi que je suis fasciné par la mort. Alors que c'est tout l'inverse, c'est vraiment une quête. Une quête pour comprendre le vivant, la logique du vivant. C'est ça qui m'intéresse. Et avec mes images, j'essaye de parasiter le cerveau des autres. Et que ces images les aident à sortir d'une forme de banalisation du quotidien et à prendre conscience de l'étrangeté d'être au monde. De Sagazan. Je suis né au Congo. On peut ressentir une certaine influence de ce... L'Afrique noire est toujours un peu présente dans mon travail. Pour les Africains, il n'y a pas de séparation entre l'art et la vie. Et moi, je suis complètement là-dedans. C'est ma quête depuis toujours, c'est de réconcilier à la fois la question du sensible et de l'intelligible. En Occident, on a séparé les deux, alors qu'en Afrique, on est complètement dans le sensible, on est bien plus dans le toucher, on est bien plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, du corps, etc. Et moi, c'est mon désir, c'est toujours de rapprocher ces deux façons de voir le monde, quoi. Maintenant, j'habite à Saint-Nazaire, près de Nantes. Après des études de biologie, je me suis dirigé vers la peinture et la sculpture, mais en fait, j'ai la sensation de faire toujours de la biologie, au sens où peindre, sculpter, c'est toujours essayer de comprendre la logique du vivant, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que la sensibilité. C'est quelque chose de fantastique, puisque en fait, c'est... C'est ce qui nous démarque de la matière brute. Moi, j'aime pas du tout assister à ses performances, parce que je sais qu'il est très, très limite. Il est très borderline, et j'ai toujours peur qu'il passe de l'autre côté, tu vois. Je sais à quel point il s'engage, et à quel point c'est honnête et sincère. Faire sa performance en Afrique, c'est un grand rêve. Parce qu'en fait, il l'a fait dans le monde entier, sauf en Afrique. Et en même temps, je pense qu'il appréhende. Et je pense qu'il faudra qu'il y aille. Il serait très déçu à la fin de sa vie s'il avait, j'imagine, jamais pu retourner sur la terre d'Afrique et pour faire ses performances et montrer son art. Ça, c'est sûr. Je me sens redevable de ce pays où je suis né, de quelque chose que je ne peux pas traduire, exprimer véritablement, mais dont je vois partout dans mon travail l'empreinte. Et par conséquent, aller faire ça là-bas, c'est une manière de leur... Ce serait une manière pour moi de dire aux Africains, voilà ce que vous m'avez donné, et voilà comment moi je l'ai transfiguré, et j'aimerais savoir comment vous le ressentez, et qu'est-ce que ça vous fait. Toute la quête de ma vie, c'est une quête pour comprendre qui je suis, pour aller plus loin. Et c'est quelque chose de totalement, pour moi, de totalement nécessaire et qui participe à tout mon être, quoi.